De Montréal. C'est notre premier événement qu'on organise. C'est un salon pour la bande dessinée francophone et anglophone et pour le jouet vintage. Là, quelque part, il y a vraiment une tendance accrue dans les gros événements où le cosplay prend de plus en plus la place du comic book en tant que tel. Le San Diego Comic Con porte toujours le nom Comic Con, mais en réalité, c'est devenu maintenant, il y a un immense pourcentage des visiteurs qui sont là pour aller rencontrer des acteurs ou pour des adeptes du cosplay, mais c'est plus vraiment des gens qui ont la passion de la bande dessinée, c'est plus vraiment des collectionneurs en tant que tel. Et puis ces événements-là, les prix pour les prix d'admission, pour les visiteurs, pour etc., etc. C'est vraiment plus pour revenir un peu à la racine de ce qu'on avait il y a quelques années avec un salon où le comic book et la bande dessinée étaient plus ce qui drivait les visiteurs justement pour venir, la passion justement, voir les dessinateurs, lire, etc. Donc, vraiment pour partager son plaisir.